Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play, Hearts of Iron 3. L'Angleterre est entrée en résistance maintenant, hein. Malheureusement, j'ai dû abandonner tous les fronts puisque mon nombre de convois devenait dangereusement bas. Et sans convois, pas d'avenir. Je ne pouvais plus rien faire à partir du moment où j'étais à zéro, de toute façon c'était mort. Donc il fallait que je me retire. Et que je... comment dire... que je résiste. Que j'essaye de résister autrement. J'ai pas dit mon dernier mot, mais il faut bien l'avouer que les choses sont difficiles. Donc ça, je peux le détruire. Ça, je peux le détruire. Je vais en compléter. Il y en a plein qui sont à moitié vides. C'est le 11e. Je vais en profiter pour me réorganiser. J'ai plus que ça à faire. Et... Attendre que soit les États-Unis me rejoignent ou que l'URSS attaque. Mais si ça n'arrive pas, eh bien je crois qu'on est un peu mort. Ok, ça c'est bon. Ça, je vais rejoindre le 11e. Du coup, je vais être plutôt pas mal là. Et ça, c'est le... troisième, ok. Alors comme j'ai produit quelques unités terrestres, normalement il y en a quelques-unes qui vont se retrouver toutes seules. Mais normalement il ne doit pas y en avoir des masses. Hein. Pas de commerce, de toute façon j'ai plus de transport. Ok. Donc là il y en a une où il n'y en a qu'une là justement. C'est bizarre, hein. J'ai dû perdre quand même une unité parce que... le fait que j'en ai qu'une, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est là, ouf. J'ai eu un peu peur, je me suis dit que j'avais perdu vraiment une unité pour le coup là. Mais là, ça m'a l'air de tomber juste en fait. Hein. J'en avais 6 et j'en ai fait 2 de plus seulement. J'ai l'impression que ça tombe juste. Donc. Voilà, peut-être même celle-là. Voilà, honnêtement, je crois ne pas en avoir perdu une seule. Je pourrais pas l'affirmer à 100%. Mais que fait la Russie, quoi? À un moment, l'Allemagne n'avait plus d'effectifs, je pense. Ou quasiment plus, quoi. On peut pas savoir exactement, mais... sauf qu'ils n'ont pas saisi l'occasion. Est-ce que j'ai une armée là? Ah oui, j'ai une armée. Donc en fait, j'ai pas besoin de 3 armées, 2 suffiront. Tout ça, c'est pour m'économiser un peu de ravitaillement. Et j'en ai encore une autre armée là. Je sais pas où elle est. Ah là, il y en a 2. C'est pour ça. Ok. Troisième armée et quatrième armée. Ok. Bon bah là je suis bien. Question consommation, on pourra pas être mieux. Je continue à faire des convois. Hein. Il faut absolument que je remonte mon nombre de convois. Et mais là je le remonte pas en fait parce que tout à l'heure j'étais à 94, là je suis plus qu'à 80. Mais bientôt ce sera inutile. Quand toute l'Inde sera conquise, ce sera inutile. Je pense que le gros de la production... il y en a un ici. Il y en a 2 ici. Ouais, je pense que de toute façon la source va se tarir quand les Japonais auront tout pris. Donc ça c'est nous par contre. Non, ça c'est un navire qu'on va couler. Alors faut que je surveille ma flotte pour pas qu'elle souffre trop. Là ça a l'air d'être bon. Ouais, celle-là elle est pas terrible. Je vais la rentrer vite fait. Alors mes avions, normalement ça va à peu près, je sais plus où ils sont, mais... ah, ils sont là. Ah, ça doit être quand qu'on peut... non, pourquoi ils sont là? Ah, c'est quand la... j'allais dire Copenhague, mais c'est Oslo. Quand Oslo est tombé, ils ont tous été rapatriés ici, ok.
Bon, ça peut être sympa. Du coup, je vais l'annuler. Les espions, c'est bon. Les diplomates, j'en ai pas besoin. Les officiers, c'est bon. Ok, c'est parti. Ça, par contre, c'est nous qui l'avons coulé ou pas? Bombay Dover. Non, non, c'est pas nous. Oula, j'ai réussi à couler un navire. J'aime pas jouer en rapide parce que là, par exemple, on aurait pu essayer d'intercepter. Tiens, ils sont là. À mon avis, ils rentrent chez eux. Et j'arrive pas. Si, c'est bon. Parce que celui-là, j'aimerais bien le couler. C'est le dernier, à mon avis. C'est toujours le même convoi, donc. Voilà, je l'ai eu. Par contre, a priori, il y a encore une flotte là. Non, elle a disparu. Et je crois que c'était le dernier cuirassé allemand, parce que c'est toujours celui-là que je vois. J'ai coulé... Eh merde, dissidence, unité... Je vais prendre les 50% de chance, hein. Je crois que j'ai pas eu la dissidence, donc c'est déjà ça de pris. Radar de petit navire de guerre. Donc ça, c'est ici. Ok, je vais repasser en vitesse rapide. J'ai l'impression que c'est calme plat. Encore un navire de moins. Ça par contre, ce bruit-là, c'est que c'est moi qui l'écoule, hein. Et merde, ça c'est lui. Je suis obligé d'arrêter. Hein. 83, je crois qu'il me l'écoule plus vite que je l'ai produit, donc... Alors, les États-Unis. À part les métaux rares, je vois pas ce qui pourrait m'intéresser. Et j'ai l'impression que les États-Unis sont toujours en déficit de métaux rares, ouais. Ils ont le même problème que moi, en fait. Et personne ne fait rien nulle part, donc... Du coup, ça va vite devenir monotone si personne ne fait rien. On va passer le temps, hein. Je perds beaucoup de provinces, mais bientôt j'en aurai plus du tout, donc comme ça... J'aurai plus rien à perdre. Défense anti-sous-marin. Alors ça, faut que je regarde ce que c'est. Production d'énergie. Ah, c'est très bien ça, mais ça arrive un peu tard. Et de toute façon, c'est pas assez pour révolutionner les choses. C'est vraiment un petit bonus agréable, mais pas... vraiment pas suffisant. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ça doit être les torpilles. Ça devait être ça. Tiens, j'ai coulé un navire. J'ai coulé deux navires, c'est la fête. Du coup, il va peut-être falloir que je fasse une pause. Non, ça va encore. Ce que je peux peut-être faire, c'est le remplacer. Par celui-là. Ouais, il est un petit peu mieux. Ok. C'est la folie, quoi. J'étais à 82, je suis à 74. La vitesse où ça descend, c'est implacable. Ça aussi, je suis obligé de l'arrêter, je crois. Pas énervant à part ça, ce bruit. Les métaux, ça m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est les métaux rares. Ça, c'est pareil, ça me sert plus à rien.
J'ai pas trop de problèmes d'énergie. Ok. Alors on va éviter de gaspiller quand même. Ce que je veux faire, c'est mettre en automatique en mettant priorité au renfort. Non, on peut pas. On peut tout mettre sauf sauf les renforts. Consolidation. Donc, je vais mettre comme ça. Comme ça, il va régler ça automatiquement. Combien de transports? 72. Ça, c'est nous qui l'avons coulé, hein. C'est pas le même bruit. Là, il y a les deux. On en a coulé un, ils en ont coulé un. Bon, j'avoue que ça va me saouler un peu si ça continue comme ça. Alors, les bimoteurs. Le problème, c'est que c'est une science de 41, donc il faut que je continue. Je suis pas à jour. Il fait n'importe quoi parce que je veux absolument pas qu'il fasse du ravitaillement, donc je suis obligé de le faire à la main. Et là, on va équilibrer. Alors, production de matériaux rares. Celui-là m'intéresse beaucoup. Mais bon, ce sera pas suffisant. On est passé à combien au lieu de 2,50? Provenance des importations 7,7. Là, c'est nous qui arrivons à les couler, hein. J'en ai marre qu'ils me prennent des provinces. Faudrait qu'ils se dépêchent de nous achever, entre guillemets. Qu'on n'ait plus toutes ces fenêtres, un peu chiantes. Métaux, on s'en fout. Métaux, on s'en fout. Pourquoi ils me proposent des métaux alors que je suis pas si mal que ça, en fait? Oh, c'est quoi ça? Ah, ils s'amusent encore à faire des débarquements. Oui, c'est forcé. Il faut qu'ils nous prennent tout ce qui reste là. Production de métaux. Donc ça, c'était vraiment pas le plus important parce que je suis pas mal en métaux. J'arrive à lui couler quelques navires, hein. Ok, je vais bientôt récupérer un peu de convoi, mais je suis pas sûr que ça comble ce que j'ai perdu. Blindé 10%, c'est toujours agréable. Ça nous servira peut-être un jour. Et là, il se passe rien. C'est très énervant. Donc ça, c'est pareil, ça me sert pas à grand-chose. Un petit réglage. Je suis resté sur cette fenêtre un peu parce que. Je comprends pas que les renforts varient tous les mois alors qu'on fait rien. Normalement, ils devraient être à 0,60 en permanence, quoi. Enfin, à zéro même. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir s'il y a des sciences, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Métaux rares. Ça, je prends. Peut toujours rêver. Ouais, je vais commencer tout de suite à m'en faire couler. C'est quoi ça? Métaux, ça m'intéresse pas. Normalement, les renforts devraient vraiment être très très bas. Là, ma flotte est pas si mal. Je vais la remplacer par celle-là qui est réparée complètement. Et du coup, celle-là peut rentrer. Donc ça, c'est moi qui le coule, hein. Ça, par contre, c'est eux. Je suis à 56, hein. Allez, c'est parti, on va attendre.
J'espère qu'on va pas attendre 3-4 ans, quoi. Avant que les Américains rentrent en guerre. Surtout que j'en ai marre de fermer ces fenêtres. Alors, j'ai une décision à prendre. Restriction limitée, ça m'intéresse toujours pas. L'Allemagne a imposé conquérir à la Grèce. Ouais, ils ont eu peut-être eu du mal à prendre la dernière île, mais ils ont fini par l'avoir. Donc là, j'ai fait quelques convois, donc je vais continuer dans cette voie. Il faut que je remonte, hein. Jusqu'à ce que les Russes déclarent la guerre et que je puisse attaquer Berlin. Bordel. Il y a 40 000 ou 5 000... Non, d'ailleurs, il y a... C'est 99 000, pardon. Il y a 99 000 ressources. Donc, ça doit être prenable. J'ai eu une science, là, mais je sais plus laquelle c'est. Bimoteur. Tout ça, on est en retard, c'est pour ça que... J'ai des sciences de 41, donc je peux largement continuer. J'y suis pas du tout. J'ai toujours des espions. Ouais. Si je regarde l'Allemagne, elle a gagné un peu d'effectifs, mais elle en a pas, elle a pas de quoi faire la guerre contre l'URSS. Hein. J'ai peur que l'URSS récolte le fruit de tous mes efforts pour épuiser les Allemands. Et ça, je serais un peu vert. Je vais regarder ma flotte. A priori, c'est bon. Ça, c'est pas des métaux. Ça, je peux laisser. J'ai pas compris, là. Ah, ils veulent de l'énergie, par contre. Pardon, c'est dans l'autre sens. Ça, je vais dire oui. Par contre, il va falloir faire un convoi pour ça, non? Non? Non, c'est bon. Du coup, mes revenus repartent à la hausse, ceci dit. À force de vendre un petit peu... On exporte de l'argent, là on exporte de l'énergie, mais ça j'en ai pas besoin par exemple. Provenance de territoire d'origine, provenance des convois, exportation. Pourquoi ça apparaît pas dans les importations par exemple celui-là? J'ai pas besoin d'importer de métaux honnêtement. Peut-être j'ai un peu besoin d'argent, donc ça je vais laisser. J'en ai marre de fermer ces fenêtres. Ah, j'avais une science, c'est celle-là. Alors j'ai quand même regardé ce qu'on me propose. Aimerais 0,4 d'argent. Non, ça je dis non. Alors, un petit peu de science. On est en 41 toujours, hein, donc je peux lancer tout ce qui est 40, 41, il y en a beaucoup. Tout ce qui est tactique navale, j'ai pas fait. Hein. Les bases, par exemple, c'est important. Les escortes, j'ai pas fait non plus. J'aurais pu le faire avant, d'ailleurs, mais... C'est pas ça qui m'aurait sauvé, tout simplement, parce que j'ai plus de convoi, en fait. Si j'avais des... j'ai des transporteurs, mais j'ai plus de convoi pour les protéger... Donc c'est pour ça que c'était pas si important que ça de le faire. Puisque ça aurait été grosso modo inutile. Je crois que j'ai perdu mes convois depuis très longtemps. Hein.
comment ils appellent ça, les escortes, pardon. J'appelle ça les convois, c'était les escortes que je voulais dire, bien sûr. Alors, encore une science quelque part de cacher là-dedans. Bombe lourde, tout ça. C'est en retard. Ok. Bombardement stratégique, tout ça, c'est en retard. Ce qui m'inquiète, c'est que mes ravitaillements diminuent. Et quand j'en aurai plus, je pourrai plus fournir mon armée, donc on sera un peu dans la mouise. Ça d'accord, ça d'accord. Alors, ils aimeraient de l'argent contre des métaux. Mais on n'a pas besoin de métaux. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent tous à vouloir m'offrir du métal. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a une ligne qui a disparu. Non, j'ai rêvé. Ah non, il y a dû y avoir un combat. Aimerait 1,5 pour métaux. Non, mais j'en ai pas besoin de métaux. Alors j'espère que ce qu'il veut me dire, c'est pas métaux rares et que... Tiens, ils ont récupéré du surplus de métaux rares. Ils veulent pas me vendre quoi que ce soit, c'est hyper lourd. En plus, on a des bonnes relations, enfin relativement. Je comprends pas. En tout cas, je lui coule des navires, hein, ça c'est clair. Tout ça, c'est croiseur... et bombardier, je crois. Mais tout ce qui est bombardier, ici, 41, 41, ouais, c'est bon, je continue. Ok. Bon, on m'a un petit peu remonté, mais comme il... Ah, j'ai perdu Bombay. Donc en fait... Ouais, j'ai perdu Bombay. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai plus aucun convoi. Donc il peut plus m'en couler. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, je suis en... Voilà, c'est là. Bon, je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Honnêtement, je désespère les Russes ou de voir les Russes ou les Américains entrer en guerre là. C'est quand même très pénible. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, c'était ça, je crois. D'accord. Alors, Mexique aimerait de l'argent contre des métaux. Je ne veux pas de métaux. Tiens, j'ai coulé le Grave Spy. Est-ce que j'ai souffert? Quasiment pas, donc je continue. On coule plus rien là. Peut-être qu'il a arrêté de mettre de convoi sur ce chemin-là. La Belgique. Non, toujours pas de métaux, j'en ai pas besoin. Ils ont toujours pas repris la Sardaigne, il en aura fallu du temps. Et voilà le problème. Oui, donc là je vais regagner quand même un peu de convoi vu que j'en dépense plus. Laconie. Ah oui, il avait pas tout repris, hein. Il n'avait pas fini. Ok.
sous-marin, ok. Je vais arrêter l'épisode ici, je suis désolé, je sais que ça commence à être pénible, je crois que vous pouvez sauter quelques épisodes et faire une petite pause, voir dans 2-3 jours si j'en suis toujours là, essayer à attendre les Américains arriver. Mais je vous donne rendez-vous quand même pour ceux qui veulent continuer demain pour la suite de ce Let's Play.